Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je voulais te parler de ce livre, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Je précise que c'est pas une collaboration avec l'éditeur, tout de manière, le bouquin, je sais pas depuis combien de temps il est sorti. Édition 2000, le bouquin est plus vieux que moi. Enfin bref, c'est un bouquin qui parle un peu des énergies, qui parle dev perso, qui parle méditation et qui parle conscience-inconscience. Qui sont des concepts que j'aimerais bien aussi aborder sur la chaîne, mais je préférerais les aborder dans un peu de temps quand je les aurai bien compris. Mais une des premières parties du bouquin traite de l'ego. Il explique qu'est-ce que c'est l'ego, il explique comment réussir à dompter son ego, et c'est un peu travaillé parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ego, et puis bah peut-être que toi aussi t'as beaucoup d'ego, et même si t'en as pas énormément, ça se trouve, tu vas apprendre des choses en regardant cette vidéo. Donc je te conseille de rester. En gros, qu'est-ce que c'est l'ego? C'est un mécanisme qu'on a tous plus ou à un certain niveau. C'est notre perception de nous-mêmes, si tu veux. C'est la personne que je crois être, la personne que je crois renvoyer à l'autre. C'est ta partie de toi qui peut croire en toi autant qu'elle peut ne pas croire en toi. Et moi, je distingue deux égos, l'ego positif et l'ego négatif. En gros, l'ego positif, c'est un ego qui apporte des aspects positifs à ta vie, du genre des objectifs, des anticipations, et un ego négatif qui va t'apporter ta jalousie, de l'égocentrisme, du rejet de l'autre, et c'est cet ego négatif que du coup on va essayer de dompter. Comment savoir si on a un ego plus ou moins bien placé? Parce qu'on dit souvent avoir un ego mal placé. Premièrement, t'es souvent jaloux, t'as du mal à accepter qu'une autre personne plus ou moins proche de toi soit meilleure que toi. Tu sais, genre, tu fais de la muscu depuis 2-3 ans et t'as un gars qui fait de la muscu depuis 1 an et il est déjà plus musclé que toi et du coup tu lui dis qu'il est dopé. Bah, ça, c'est de la jalousie par exemple. Ça peut être avoir un besoin de reconnaissance, genre, tu veux prouver, tu veux qu'on t'écoute et c'est hyper important pour toi, genre, tu te sens rejeté quand c'est pas le cas. Et ça peut être aussi une difficulté à appréhender la critique. Du genre, s'il y a quelqu'un qui te dit un truc, bah, tu vas rester campé sur tes positions, toujours rester très fermé, et du coup ne pas réussir à t'ouvrir à l'autre. Voilà. Si tu te reconnais un peu là-dedans, moi je me suis reconnu principalement dans les deux dernières parties, c'est-à-dire la difficulté à accepter la critique. C'était le mois d'il y a 1 an qui était très comme ça. Donc le mois d'il y a 1 an et avant évidemment. Bah, le besoin d'attirer l'attention qui est un de mes démons, si on peut appeler ça, c'est un concept. Bah, on a tous nos démons. Moi, un de mes démons, c'est avoir cette impression d'avoir le besoin que d'avoir l'attention des autres sur moi. Tu vois. Et donc là, tu vas te dire, ok, maintenant j'ai identifié, je suis un mec qui a un ego de monstre, j'accepte personne, moi j'ai toujours raison. Mais c'est pas forcément un truc que tu vas te dire maintenant, parce que ça se trouve, tu vas te dire maintenant, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Je pars de la vidéo, j'ai même pas mis un like, j'ai même pas mis un commentaire, bah les couilles de ce petit créateur tout pourri. Mais c'est à ce moment-là que tu dois écouter, c'est le plus important de la vidéo. Comment dompter ton ego? Ok, donc premièrement, on va chercher à améliorer la partie jalousie, entre guillemets. La partie je me compare à l'autre et j'arrive que à en tirer du négatif. Le premier principe qu'il va falloir appliquer, ça va être l'humilité. En gros, l'humilité, c'est savoir se dire, ok, peut-être que je suis en dessous de mon prochain. On va dire mon prochain pour redire l'autre, ce que tu veux. Je vais reprendre l'exemple que j'ai pris au début sur la muscu. Ça peut être, toi t'as fait 3 ans de muscu, l'autre en a fait un et il est plus musclé que toi. Bah, ça peut être par exemple, lui s'est peut-être entraîné plus dur. Lui, ça fait 1 an qu'il fait pas de pause, alors que toi, tu fais une pause tous les 3-4 mois parce que bah, y a les vacances d'hiver. Oh, moi j'ai une copine en ce moment, ça va. Et puis ça peut être aussi tout simplement, bah, ok, l'autre a une meilleure génétique que moi. Enfin, la génétique, c'est quand même un élément hyper important dans le sport. Même, c'est un élément hyper important de la vie, la génétique, tu vois. Commencer à pratiquer l'humilité, mais l'humilité sans te rabaisser. C'est-à-dire que tu peux monter l'autre sans forcément toi-même te rabaisser. C'est toi t'es là, puis bah l'autre faut que t'arrives à accepter qu'il est peut-être là, tu vois. Mais ça veut pas dire que toi un jour tu pourras pas atteindre ton propre là, tu vois. Allez, continue dans cette direction. On va chercher aussi à réussir à calmer cette partie qui fait que t'arrives pas à accepter la critique. Moi je pense que ça est important d'écouter la critique
pas forcément de l'accepter. Dans le sens où, bah, parfois, tu auras raison, en fait. On va prendre encore un exemple de muscu, parce que bah, c'est plus simple et que c'est un peu une chaîne de muscu, tu vois. Imaginons que t'as un gars qui te dit « Ouais, fais des supersets à chaque fois quand tu vas faire ton exo. » Tu vas faire un tirage vertical que tu vas doubler avec des tractions et il y a que ça qui va faire que ça marche et si tu fais pas ça, ça marche pas. Toi, tu vas prendre cette critique et tu vas faire « Ouais, mais il est trop con !» Tu vois. Alors que dans l'absolu, c'est pas forcément une mauvaise idée. Et donc, c'est important d'apporter de la réflexion sur les critiques et aussi de faire en sorte que d'appliquer les choses pour toi d'une manière qui te convient pour le toi de maintenant. Mais faut que ton toi du futur, il remercie ton toi de maintenant, tu vois. Tu vas à la muscu pour que, dans le futur, tu sois musclé. Donc, c'est toujours un peu dans cette logique-là. J'ai l'impression de me perdre un peu. Et puis aussi, du coup, sur le point des critiques, bah, faire de l'autoréflexion, tu vois. Ok, il y a ce point-là dont on m'a parlé aujourd'hui. Est-ce que bah, l'autre aurait pas raison, tu vois. Est-ce que, tu vois, on me dit « Ouais, mon gars, tu fais... 7-7 sur le développé couché, c'est beaucoup trop. » Sachant qu'après, tu fais encore 4 exopecs, tu vois. Et du coup, bah, tu vas te dire, ok, le point qu'il a critiqué, c'est le volume. Du coup, tu vas te renseigner à propos du volume. Et bah, tu vas grandir de ça, tu vois. Donc, c'est important d'arriver à différencier la critique positive et la critique négative, ou en tout cas, la critique destructive et la critique constructive. Et... aussi bah, d'arriver à remettre en question, prendre les choses et arriver à les prendre à froid de manière stoïque, disent les jeunes. Et pourtant, besoin constant d'approbation. Ça peut être sur deux choses, ça peut être un manque d'amour ou ça peut être un besoin de montrer que tu fais des choses. Pour montrer que tu fais des choses, tu dois faire des choses. Déjà, ça peut être un premier truc. Mais ça peut aussi se compenser d'une manière à se centrer sur soi, tu vois. Au lieu de vouloir absolument aller vers l'autre, faire en sorte que l'autre aille vers toi par tes exploits. Et pour faire des exploits, il faut faire des choses. Et comme tu gagnes pas tout le temps, bah, va falloir accepter l'échec comme quelque chose qui te fait avancer vers ton objectif. En gros, bah, apprendre à s'améliorer, à toujours tirer du positif, même des choses négatives. Tu vois, t'as GBZ, donc Antoine GBZ, qui, dans une de ses vidéos, il disait... qu'il avait comme objectif de toujours prendre le chemin le plus difficile parce que c'est le chemin qui te fait le plus progresser. Et donc, bah, la deuxième partie, ça peut être un manque d'amour. Tu vois, t'es peut-être genre un gros prouveur. Tu vois, peut-être que tu fais des posts Instagram tous les jours en faisant des photos de tes abdos et en t'attendant à avoir plein de likes sur ta story. Et bah, ça t'affecte de pas avoir plein de likes sur ta story. Là-dessus, déjà, tu peux exercer les gratitudes, tu vois. T'as des gens qui tiennent un journal de gratitude, c'est-à-dire que tous les jours, ils font « Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour, car... » Ça peut se concentrer sur pas forcément avoir plein d'amour de partout, mais concentrer sur l'amour proche de toi, tu vois, sur tes cercles sociaux proches. Et dans tout ça, comment réussir à aussi garder son ego positif, celui qui te drive, tu vois, celui qui te donne des objectifs, celui qui te permet d'éviter de répéter des erreurs. Et donc, pour ça, je te conseille d'avoir une ligne. Moi, j'aime bien dire avoir une ligne de direction, tu vois. Genre, se donner une période... Et sur cette ligne, tu vas pas rajouter de choses, tu vois. Vas-y progressivement. Pour résumer, on a un ego positif, un ego négatif. Ton ego négatif, c'est celui qui te tire vers le bas, fait de toi une personne un peu mauvaise. Et ton ego positif, c'est celui qui fait que tu vas devenir meilleur, c'est celui qui te donne des objectifs. Ton ego négatif, il fait que tu te compares trop à l'autre et que peut-être que tu vas un peu trop... chercher l'autre, peut-être que tu vas chercher un peu trop loin. C'est ton ego qui se développe le plus avec les réseaux sociaux. Ce que tu vas chercher à faire, c'est te recentrer sur toi-même, mais pas de manière orgueilleuse, te recentrer sur toi-même de manière humble. Essayer de revenir sur les choses à froid. Essayer de moins se comparer à l'autre. Essayer peut-être aussi de donner un peu plus au lieu de vouloir tout attirer vers toi. Reste sur toi-même. Et donne. La vie fera le reste. En tout cas, mon gars, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, à t'abonner, à mettre un like. Ça aiderait vachement ma chaîne. Si t'as des choses à me dire sur l'ego, n'hésite pas à en parler en commentaire. Je me ferai un plaisir de discuter avec toi. Essaye de penser à ce que je viens de te dire.
Et puis je te dis à la prochaine. Ciao.